Maintenant, fais bien attention. Parce que tout ce qui va se passer se déroulera de la même façon dans 8 jours. Vers 1h du mat, comme tous les vendredis, Monsieur Grimm débarque de sa Cadillac accompagné de ses 2 comptables. Allô, coupez l'alarme, ascenseur et blocos. 30 minutes, sauf nouvel avis. Et voilà. L'ascenseur est gardé en haut par des gorilles. Et quand il n'est pas gardé, il y a une sonnerie d'alarme qui amène tous les poulets du quartier sur le chantier. Moralité. Ben, on peut pas rentrer dans le blocos. Autrement dit, c'est pas faisable. Si c'était pas faisable, on serait pas là. Il n'y a qu'un moyen de descendre là-dedans, un seul. Vous pouvez fermer la boutique, ce que j'ai à vous dire peut rester entre nous. Vous avez lu l'enseigne en entrant? Atelier de mécanique. Il n'y a pas écrit bureau de renseignement. Désiré, monsieur? D'abord un whisky, et ensuite savoir qui est qui. Ce sont nos petites demoiselles du corps de ballet. Si avec ça, toi et tes contradictions... Tu t'es toujours mouillé par dégoût des salaires minables et tu viens de fabriquer pendant 5 ans à l'œil des pantoufles. Je vous aborde comme une étourdie, je vous questionne et nous n'avons même pas été présentés. Comtesse Doublianov. Te fatigue pas, Tatoche, on est du même monde. Lucien, je crois que je prends un coup de vieux. Je reconnais plus un gentleman d'un rang. Passez-moi la résidence Marly, chambre 47. Quand vous l'aurez au bout du fil, manquez pas de transmettre mes respects à M. Nielsen. Je n'y manquerai pas. Grâce à lui et à toi, je sais maintenant ce que c'est qu'un monsieur, ce que c'est qu'un voyou. La confidence pour confidence. Des morues de ton espèce, je file un coup de pied dans un bec de gaz, il en dégringole 50. Bon, Charles. Oui. Si je comprends bien, tu me mets sur un coup. T'es pas d'accord? Et ça va chercher gros. Beaucoup de pognon. Aux alentours du milliard. Pas d'imprudence, s'il vous plaît. Donnez pas à ce monsieur l'occasion de faire une bêtise supplémentaire.